Non, Boubaka! Oh putain, je sens que je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie. Je sens que je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie. Mais putain de jeu de merde! Munja avec sable volant. Mais non, mais attends. Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite de Pokémon YouTube. La semaine dernière, beaucoup de rage. Tellement de rage que j'ai oublié de faire un défi. Donc je suis désolé, il n'y aura pas de défi cette semaine. Et on m'a dit de retourner chercher Floette. J'ai dit, je fais moins de 5 essais. Hein. Ah ! On dirait que le taux de ce Pokémon a été augmenté. Lololol. Bon bah Floette éternel avec coup variatif, d'accord, qui doit être d'accord. Floette éternel, coup variatif évidemment, hein. Allez, le Floette. Oh, je t'ai tellement cherché. 1, 2... Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Ermengarde. Ermengarde, évidemment, hein. Un nom bien de chez nous, bien de chez nous, bien de l'est de la France. Ermengarde, Ermengarde le Floette éternel, qui a les restes, hein, en plus, hein. Je vais pas me plaindre. Avec Vampy Baiser, coup variatif synthèse, et boum final en talent, d'accord, ok. J'aimerais bien monter un peu en niveau yaourtine, normalement, Magikarp évolue au niveau 20, on est d'accord. Donc, par définition, si je monte mon faux Magikarp... Oh là là. Si je monte mon faux Magikarp au niveau... à ce niveau-là, normalement, c'est bon. J'aime pas XP mes Pokémon. Je préfère même avoir Freebox au téléphone. Vous savez que la vie est brève. Bien pour ça qu'XP, c'est la crève. En plus, Magikarp, c'est vraiment la panique. Il tape moins fort qu'un moustique. Et on fait switcher les Pokémon. Parce que Yaourtine est trop conne. Même pas foutu de mettre KO du haut. Et c'est vraiment ballon. Et on fait switcher les Pokémon. Parce que Yaourtine est trop conne. Même pas foutu de mettre KO du haut. Et je suis vraiment mazo. Allez, Magikarp, putain. Non! J'annule! Non, je peux pas annuler. Non, Boubacar! Non. Boubacar! Non, Boubacar! Oh putain, je sens que je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie. Je sens que je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie. Mais putain de jeu de merde! Munja avec sable volant. Mais non, mais attends, non, mais c'est pas drôle là, à ce niveau-là. Il a sable volant, il va mourir à la fin du tour. Regardez, je vous montre. Putain, j'ai la haine de la vie. J'ai un Munja sable volant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un Munja sable volant? La tempête de sable va le tuer à la fin du tour. Boubacar, qu'as-tu fait? Regardez. Mais oui, il est condamné à mourir à la fin du tour. Tue-le. One-shot-le. Non. Boubacar, qu'as-tu fait? C'est la dernière fois que je fais évoluer un Pokémon. Oh non. A few moments later. Ok, s'il vous plaît, faites que Magikarp évolue. Sinon, je peux pas continuer ce jeu en vrai. Oui. 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 Oui, évolue. Ça pourra jamais être pire que Magikarp. C'est impossible que ce soit pire que Magikarp. Y a pas de Pokémon. J'ai déjà le Munja avec Tempête Sable. Allez. Mon dieu. Oh.
Régigigas. Est-ce qu'il a des bulans? Mais même avec des bulans, il est trop fort. Régigigas Coloforce. Oh, je suis tout flou. Bonjour. Maintenant que t'as réussi ta première épreuve, j'ai hâte de voir en combat. Tu vas voir, ça risque d'être génialissime. Je confirme, c'est un combat qui va être riche en émotions. Grave. Ah. Il est dans le sac, il parle. Ça va pas être de la tarte de battre l'ancêtre de l'accueil. C'est le spécialiste des vieux jeux un peu chelou. Si tu veux avoir une chance contre lui, chope ta vieille GBA et ta Super NES. Oh mon dieu, voilà, joueur du grenier. Pourvu qu'il ne soit plus un démon. JDG, tu as réussi l'épreuve de la grotte première pro. Félicitations, jeune homme. Tu voudrais pas coûter à mon réglisse. Ça va, on rigole. Allez, viens, c'est parti pour le combat de l'année ou du moins de l'épisode. Et la réglisse. Mouhaha, c'est parti. Joueur du grenier, je te défie. J'espère qu'il a pas de Pokémon de type normal. Kamate, Kamate, ouh. Tu auras ta réglisse si tu arrives le battre le vieil ancêtre. En l'honneur du grand triathlon de Fifou. Tout est prêt. Place à l'ultime épreuve de l'accueil YouTube. Ça va barder, jeune homme. T'es ready, petite bite. C'est ce qu'on appelle la grande épreuve. En cœur avec les trashers. Toi qui as Lala. Toi qui es Lala. Remine, j'aime lumière et ton partenaire Floette. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Ouche, ouche pour trash. Allons-y. Easy. Pas de type normal, t'es mort. Le joueur du grenier. Il n'a pas de... Ça a planté. Ah. Ok. Tout va bien. Non, ça va pas bien du tout, là. Bref. Donc là, on n'a pas de game patching. Donc on va voir les combats, le combat normal. Mais je mettrai quand même le texte du machin. Ah. À nous deux. On s'en fout de ta vie. Allez, c'est parti. On y va. Moi, j'ai mon Coloforce, j'ai pas de soucis. Wow! Pectorius, le doyen. Mais non, c'est pas Pectorius! Car c'est... le joueur du grenier. Mais comme il y a des bugs. Pourquoi j'ai Floette en premier? Ah bah, je m'en fous, j'ai Vampy Baiser. Ça va être le combat le plus facile de ma vie. Oula. Ça gagne de l'XP là d'un coup. Ça gagne plein d'XP d'un coup là. Petrushka veut apprendre un corps. C'est pas mal encore. On va oublier Hydrocanon en vrai parce qu'elle rate tout le temps et elle a Erdo déjà. Donc... Oh là là. Mais c'est quoi ces niveaux d'un coup là? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi ce truc? C'est buggé? Ça m'a pas rapporté tant d'XP que ça? Attends, attends, le... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'était que ça? Et c'est... Quoi? Attends, y a un problème. C'est complètement bugué ce jeu. Oh, il a tanké ça le Makuhita, t'es sérieux? Oh, j'ai de sub, ça c'est pas sympa ça. Attends, est-ce que ça va refaire la même chose ou c'était juste une fois? 109 points d'XP. Ah non, cette fois ça. Cette fois, ça a pas bugué. Ça a bugué avant, je sais pas pourquoi. Allez. Le crabagar. Le célèbre crabagar de l'angoisse. Et le vampi baiser de l'angoisse aussi. Hop là. À demain, crabagar, hein, évidemment. Je crois que tu me fais peur. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, en vrai. Mais d'accord, admettons... Le coup variatif pour finir, et voilà. Le Floette qui a fait le travail. Pectorius, c'est bien joli. Ha ha ha.
D'accord, donc là, dès que je peux, il faut que je sauvegarde et que je remette. Joueur du grenier, tu t'appelles Pictorius. Ah bah non, bah Tocorico, bah oui, mais c'est Lala normalement. Il boude la patience. Oh mon dieu, un cristal Z. Waouh. Évidemment, je rappelle que si je fais un Z-move, ma console plante. Parce que voilà. Yeah, grande épreuve réussie. Super. Première épreuve du triathlon réussie. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, derrière, là? Tu joues avec la queue de mon Tauros? Maman. Ah oui, j'ai Tauros. Charge Volt! Vas-y, Volt, mon petit taureau, je te chevauche! Calme-toi, Volt! Oh là là, il adore foncer dans les trous et les murs et... Mais surtout foncer dans les trous, je crois. Fifou! Je viens d'annoncer à ma mama que je partais pour tendance. Elle m'a dit bonne chance et m'a flanqué une grande tape dans le dos. Ça pique encore. Volt et Siliayoxi, vous savez, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Oh! Une cutscene avec un bateau tout pourri, hein, on peut le dire comme ça. C'est quoi ce bateau moche, là? Professeur, vous êtes sûr qu'on va pas couler avec vos vieux canoës de merde? Et on se moque pas, c'est un modèle de connexion. Ça doit être la nouvelle collègue Clodo Bingo de chez Ikea, tellement PTDR. Ah, évidemment, PTDR. Tu montes à bord ou bien tu as trop peur de la mort? Vous avez peur de la mort? Allez, let's go les trashers. Cap sur l'île des tendances, la deuxième partie du YouTube game. Oh là là. Cap sur l'île des tendances avec Sizayoxi. C'est putain de beau sa mère. Ouah, elle a un sprint trop... Ah, c'est pas trop stylé, Théa. On a vu un bout du... Wesh, le prof. Vous avez vu le sprite de... Oh, elle est trop stylée. Théa. Par le mieux du Black Pearl de Neoxys, le pirate de Trash World. Putain, ils sont trop stylés avec leur nouveau sprite. Il doit y avoir des boobs et des flèches rousses sur toutes les miniatures. Ça serait bien de Neoxys. Tada, nous voilà arrivés aux tendances. On départ grâce à notre esthétique. Surtout grâce à celle du clic. Laisse un pouce bleu. Laisse un pouce bleu, toi aussi, qui regarde cette vidéo. Neoxys, tu es avec moi? Siza, tu sais l'esthétique du clic, je le dis moi-même. Ah! J'ai rien compris. Bref. Oh, qui est-ce? Quelqu'un arrive. Les gens qui te rencontrent pour la première fois doivent se poser des questions. Mais qui c'est, ce prostipute? C'est toi qui dis ça, Enjoy, laisse-moi rire. Enjoy? Non! C'est Enjoy Penis! Mais non, c'est quoi ce nom? Et c'est Azelma! Oh là là! Enjoy Penis et Azelma, mais non, mais attends, mais sérieusement, c'est extrêmement vulgaire! Je ne rigole pas du tout à ce genre de blague! Qui d'Azelma et de Fildrong est le plus fort en stratégie Pokémon? C'est quoi ce débat nul? Ah non, pas eux! On ne bouge plus! Oula! Alors le... le zoom, hein. Tu fais ton triathlon, je suis Askuns. C'est Léandre. Et c'est Léa de la chaîne Techmakeuse. N'arrêtez jamais d'apprendre. Nous sommes des trashers, yo. Ça te dirait de faire du putaclic? Ça te dirait pas de battre contre toi? Allez, à l'attaque. Ouais, si c'est Léo Techmaker contre qui je joue, j'ai pas trop peur, j'avoue. Wouah, c'est tout à fait Léo. Pas du tout. Patoche. Oh non, c'est Patoche! Tiens, Patoche, je t'ai jamais... Oh, Patoche. Il est niveau 26, le Patoche, par contre. Ah, Coloforsti sombre. Il a demi-tour. Ouah, les dégâts! Il a l'orbe vie! Attendez. Ils sont beaucoup trop au niveau pour moi, là. Deden! Oh, c'est bon, t'es mort. Au revoir.
Au revoir, Deden. Coloforce, Régigigas. Putain, il a tanké ça. Wesh. Il a pouvoir lunaire. Mais attendez, mais calmez-vous, là. Aïe. Ça fait super mal. Il me baisse mon attaque spéciale aussi. Yaourtine, tu n'es pas aussi aussi convaincant que je penserais que tu serais. Boubacar monte au niveau 19. Boubacar non monte au niveau 20. Patoche. Regardez. Il a rien pour me toucher. Pour toucher mon Boubacar. Boubacar avec un PV. Regardez. Vous êtes prêts à voir ce que vous allez voir? Un Munja qui se sacrifie. Oh mais non! Parce que j'ai sable volant, j'ai pas Mystic Guard! Oh non! Mais moi, bon, c'est tellement nul! Bon, John Boubacar, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oh là là, mon dieu! Bah oui, il a même pas Mystic Guard, il a sable volant. Crotte de bique. Hein. Aïe! Sa mère! Je suis en train de me faire déboîter là. Vas-y, Scout de France, tu peux le faire. Allez, Picor. Tu tankes le direct toxique, facile. Voilà, pas de coup critique. Le poison, mais c'est pas grave. Il est mort. Il est mort. Oh, c'est la tempête de sable qui le finit. Putain, les Pokémon EV et tout, max level. Oh là là. Ce sont les nouvelles rencontres qui forgent le caractère. Eh ben, dis donc, Léa. Léa Tecmekeuse. Super. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Le jeu se corse très fort et j'ai un Munja Tempête Sable. Tout va bien. Il meurt à la fin du premier tour et il n'a même pas Wonder Guard. Super. Enfin, Mystic Guard, oui. N'hésitez pas à commenter, à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à la chaîne de Pokémon Trash, évidemment. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.